Tu veux pas parler? C'est Célestine. Maman Célestine. Et voilà chez nous. Vous allez fermer la porte à clé? Je pourrais m'échapper. Pour s'échapper, il faut être enfermé. Et ici, tu l'es pas. Vous avez le droit d'arrêter des gens? Garde-chasse, gendarme de la forêt. Il y a des voleurs dans la forêt? Oui, enfin, un braconnier. Totoche, pire de tous. Ces deux-là. Il va se noyer! Je vais nager, moi! C'est Borel qui t'envoie pour m'espionner? Non, je vous jure. Bah! On doit jamais jurer, tu sais pas ça? Tu les vois, là? Ces deux petits toits, là. Ça te donne le poids du bestiau. Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la mouche. C'est ça, braconner? Il y a qui le gibier? Un jour sur un domaine, lendemain sur un autre. Qui est ce jeune garçon que j'ai surpris à traîner? Ça doit être le petit parisien que j'ai pour les vacances, mais il vous dérangera plus, monsieur le comte. Il y aurait un géant. Il y reste aventuré parfois jusque sur nos terres. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Sacré seigneur! Parti vers l'amour! Ariel! Reculez! Je vais plus le voir traîner en forêt. Sinon, je le remets dans le premier train pour Paris. C'est clair? Viens-moi, ce gamin. Alors, tu le vois plus, tu lui parles plus. Ma mère, tu la connaissais? Non, c'est pas comme ça. Oh, de ces idées noires de ta calebasse. La vie est belle, enfin, quand elle veut bien. Vous avez pas eu de parents? Non. Alors, on est pareil. Bon, ça n'empêche pas de pousser, hein, tu verras.